وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد serviteur d'Allah Allah تبارك وتعالى a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam avec la religion de vérité et avec la guidée et la lumière et il a dit subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a envoyé auprès des illettrés un messager parmi eux pour leur enseigner le livre et la sagesse et pour les purifier. Donc, le rôle du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam est un rôle d'enseignement et d'éducation et de purification. Cette purification, c'est de purifier les cœurs et les âmes de toutes les maladies qui pourraient le toucher. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, dans le sens des versets, le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur sain. Un cœur sain, c'est le contraire d'un cœur malade. Les tentations qui se présentent au cœur et qui peuvent toucher les cœurs sont de deux catégories. Tentations liées aux shubuhat et des tentations liées aux passions et aux envies. Les tentations liées aux shubuhat, c'est les ambiguïtés en religion, comme le fait de donner des associés à Allah, d'adorer autre qu'Allah, de sacrifier pour autre qu'Allah, de se prosterner pour autre qu'Allah, tout en croyant que ceci ne fait pas partie du polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam et qui annule toutes les œuvres. Et Shaytan vient embellir les actions de cette personne et lui faire croire que ce qu'il fait est une manière d'adorer Allah, alors qu'en réalité il ne fait qu'acheter l'enfer avec ses actes. De même, le fait de croire dans les fables, dans les contes inventés, ou les innovations en religion, dans la croyance ou dans la pratique, tout ceci fait partie des shubuhat. Et cette maladie ne peut se combattre que par la science utile de ce que Allah Ta'ala a révélé dans le Coran et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, dans surat Ali Imran, dans le sens des versets, c'est lui qui a révélé sur toi le livre. En lui, il y a des versets équivoques et d'autres clairs et évidents qui sont la base du livre. Ceux qui ont une maladie dans le cœur, ils suivent les choses équivoques. Et effectivement, ceux qui sont malades, ils cherchent toujours les choses équivoques ou à interpréter le Coran et à la Sunna selon leur passion. Tout ça parce qu'ils sont touchés par cette maladie des shubuhat. L'autre tentation, c'est la tentation des passions et des désirs, des envies, comme l'argent, la course vers l'honneur, les biens, le pouvoir, les femmes, toutes les choses de ce bas monde. Ou bien certains, ils sont tentés par la tentation du péché, de la fornication, ou bien même de l'alcool, ou bien même des stupéfiants, des drogues. Tout ceci sont des causes de faire du mal à la religion de la personne, de pourrir son cœur et de diminuer sa foi jusqu'au point où il s'éloigne de plus en plus de sa religion. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas qu'il y a dans le corps un morceau de chair, quand il est bon, tout le corps est bon, et quand il est mauvais, tout le corps est mauvais, n'est-ce pas que c'est le cœur? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, les tentations sont présentées au cœur comme les bâtonnets d'un tapis de natte en osier sont présentés les uns aux autres. Il faut qu'il les touche. Mais face à ces tentations, il y aura deux types de cœurs. Un, qu'il les accepte, qu'il les boit, qu'il les suit. Alors un point noir sera mis sur son cœur. Un autre, qu'il les réfute, qu'il les refuse, qu'il s'en éloigne. Alors un point blanc sera fait sur son cœur. Jusqu'à ce que les cœurs soient de deux types. Un cœur noir comme le goudron. Il ne reconnaît ni le bien ni le mal. Comme un verre retourné à l'envers. On peut verser des litres d'eau. Est-ce qu'une goutte, elle va rentrer dedans?
Il ne reconnaît rien. Il entend le Coran, il entend la Sunna, il entend les rappels, mais son cœur, il est fermé. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Deux types de cœurs. Un cœur noir comme le goudron, retourné. Il ne reconnaît ni le bien ni le mal, sauf ce qui va en concordance avec ses passions. Et un autre cœur, blanc, lisse, solide, comme le mont Safa. Aucune saleté ne viendrait s'y accrocher, jusqu'à tant qu'il y a les cieux et la terre. Les tentations, elles sont inhérentes à la vie de tous les jours. Mais il y a deux manières de réagir face à ces tentations. De même, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus. Dépêchez-vous de faire les bonnes œuvres, car des tentations, comme des lambeaux de nuit noire, vont se présenter à vous, jusqu'à ce que la personne se réveille le matin croyant et se couche le soir mécréant. Ou elle se couche le soir croyant, elle se réveille le matin mécréant, elle vend sa religion contre un bien éphémère de ce bas monde. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit, deux loups affamés, lâchés dans un troupeau, ne sont pas plus dangereux pour le croyant que la course vers les biens et la course vers l'honneur pour sa religion. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit, je n'ai pas laissé de tentation plus dure pour les hommes de ma communauté que les femmes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tentation de ma communauté c'est les biens, l'argent. On voit bien le danger de ces tentations pour la religion de la personne. Les tentations liées aux ambiguïtés en religion. Où le mal, le faux, l'innovation, le shirk, il est embelli. La personne, elle fait des efforts, mais dans le faux. Comme Allah tabaraka ta'ala dit, ils font le mal, ils sont dans le faux, et en plus, ils pensent qu'ils agissent dans le bien. Et comme Allah tabaraka ta'ala parle dans Sourate Al-Ghashiyah, de cette personne qui fait l'effort, qui est harassée de fatigue dans l'effort, mais inutilement, ce n'est pas accepté par Allah. De même, les passions. Au début, c'est le fait de s'élargir un peu dans le halal. Puis, on va jusqu'aux limites de ce qui est détestable. Puis, on prend ce qui est détestable. Puis, on va dans les limites du haram. Puis, on plonge dans le haram. Et la foi diminue. Et on ne voit plus clair. La foi diminue. Et un point noir s'ancre dans le cœur. La foi diminue. Un point noir s'ancre dans le cœur. Hein? Jusqu'à que le cœur, il soit scellé, retourné. Et la personne, elle ne reconnaît ni le bien ni le mal. Sauf ceux qui vont dans le même sens que ses passions. Craignez Allah, serviteur d'Allah. Sachez que cette vie n'est qu'un passage. Et que les vrais délices sont dans l'au-delà. Et que les vrais châtiments sont dans l'au-delà. Que les délices et les difficultés de ce monde ne sont que passagers, momentanés et très faibles par rapport à ce qui nous attend dans l'au-delà. Alors, soyez parmi les enfants de l'au-delà et ne soyez pas parmi les enfants de ce bas monde. Alors vendez, échangez ce bas monde contre votre au-delà et ne faites pas le contraire d'échanger l'au-delà contre ce bas monde éphémère. Comment on fait cela? En sacrifiant ce qui est interdit, en se préservant, en obéissant à Allah, en s'éloignant de toutes les causes de ces maladies, on demande à Allah Ta'ala de nous purifier nos cœurs. Nasa Allah Tabaraka wa Ta'ala an yutahhira sudurana wa qulubana. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qul Rabbi zidni ilma.